On peut te raconter ce que tu vas voir ce soir si ça te dérange pas d'être spoilé. Mais c'est pas la fin que tu verras quand tu feras le jeu toi. Donc voilà, celle-ci c'est bien de la découvrir parce que pour moi c'est une des meilleures fins que j'ai pu avoir dans un jeu vidéo. C'est quelque chose de très surprenant, inattendu. Et voilà, c'est à cause de cette fin que j'ai fait du speedrun sur Braid. Parce que ça m'a fait tomber amoureux du jeu. Bon, j'ai battu mon PB sur Portal 2, est-ce que je peux le battre sur Braid? Ça, c'est la question. J'aimerais vraiment beaucoup, 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 mais. Ça me semble compliqué. Attends, je vais faire ça et après, quand je ferai une puzzle à chaque monde, je lirai bien vos questions. Parce que malgré tout, à part ces temps-là, il n'y a pas vraiment de temps mort dans cette run. Donc, je vais essayer de rester concentré pour l'instant. En tout cas, ce qui me fait vachement plaisir par rapport au stream d'hier, c'est qu'il y a plein de gens qui sont venus vers moi pour discuter des jeux sur lesquels je travaillais actuellement. C'était autant des gens qui ne connaissaient rien à ces jeux et qui voulaient se lancer, autant des gens qui les connaissaient très très bien et qui voulaient m'aider à améliorer mes temps. Et c'est exactement ce que je cherche avec la communauté. Twitch, c'est justement avoir des gens intéressés, intéressants, qui me proposent des vidéos, par exemple sur Braid, que je n'avais pas vues et qu'ils méritent un coup d'analyse pour voir si on peut pas améliorer un petit peu les nouveaux chemins comme ça. Du coup, c'est vachement, vachement constructif. Alors, tu joues clavier, souris là? Non, là je joue à la manette. Voilà, manette plus souris pour les puzzles. Décrit comme ça serait presque mignon. Gab, quel est ton jeu préféré? Prends ton temps, j'attends le dessin de politique. Quel est mon jeu préféré? Ça mérite méditation. Alors,
Alors, dans les jeux que je run, c'est Portal. Dans les jeux en général, j'aime beaucoup StarCraft 2, mais mon préféré, ça reste Final Fantasy VII, qui est mon jeu préféré de tous les temps et pour toute la vie. Ouais, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait une petite erreur, j'ai remonté pas assez vite le temps et en plus je me suis pas arrêté au bon endroit, donc pas été très bon là-dessus. Ce qui est dommage, on perd un petit peu de temps et c'est ce temps-là qui nous manque pour avoir un record mondial dans Braid. Se joue là-dessus. Ouais, c'est pas évident comme question, mais c'est intéressant de se la poser. Ce qui est important toujours dans Braid, c'est d'anticiper le moment où on va rembobiner. Là, vous voyez qu'en arrivant à l'échelle, je me suis accroché dessus. C'est voulu, c'est pour pouvoir rembobiner et m'accrocher à l'échelle en même temps. Là, je fais que du. Je sais pas pourquoi je fais que des rembobinages x4 depuis tout à l'heure. Je fais un petit peu ma fillette là-dessus. C'est pas cool. Là, on va voir le premier. Petit truc d'échelle. Hop, ça se passe bien. Donc voilà, en fait, tu vois, il faut faire. Moi, je fais toujours quelques petits pas à côté. Et ensuite, je m'engage sur l'échelle. Et dès que je vois Tim arriver en haut, je fais un saut. Et je prends ma direction. Et en général, ça se passe assez bien. Sachant que pour t'entraîner, même si tu perds. Celui-ci avec la synchronisation des boulets est le plus simple en fait des trois à déclencher puisque l'échelle monte quasiment à la hauteur ouais, merde de la plateforme. Ouais, je vais me concentrer un peu, voilà. J'étais en train de parler donc j'arrivais pas à faire mon saut. Et du coup, c'est celui qui nécessite le moins de timing. Donc, n'hésite pas à t'entraîner dessus. Après, cette série de sauts est vraiment. Je commence à choper le truc, hein, mais c'est vraiment costaud à faire. Mais le gain de temps est vraiment important là-dessus. Sinon, il faut attendre que les plantes passent et on y perd vachement de temps. Autant quand on rembobine, puisqu'il faut bien voir que le moment, quand on a une phase où on va rembobiner, le temps qu'on perd au départ, ben, on va le reperdre quand on va rembobiner. Donc, il faut y penser. Faut y penser tout le temps. Vais aussi avoir le corner boost, c'est plutôt cool. On essaie régulièrement de choper des petits corner boost. C'est pas toujours évident. Et ici, vous faire l'obs, les lapins ont vite fait de vous coincer. Donc, faut vite rentrer dans la salle du boss. Et on va essayer de lui bourrer sa gueule. Utiliser le deuxième chandelier, c'est dommage, je perds quelques secondes là-dessus, mais bon, on va faire avec. Ça, c'est nice. Alors, désolé, je peux moins lire le chat que dans Portal parce qu'il y a moins de temps de chargement, moins de pause. Je prendrai le temps à chaque tableau. Okay.
Là, l'idée du début de la salle, c'est de le réussir le plus vite possible, comme ça le temps qu'on rembobine ici est plus court. Donc, faut y penser quand on fait la salle. C'est pour ça que c'est une salle qui met un petit peu de pression. Parce qu'on a vite fait de foirer un truc qui nous fait perdre 10-15 secondes. Et on les repère en plus quand on rembobine, donc on est deux fois perdant là-dessus. Mais là, pour l'instant, mon temps n'est pas dégueu. 8,38, 8,39 ici. C'est pas si mal. Alors, que dit le chat? Prends ton temps. Monique, pas sûr au test de caisse. Intéressant, je connais pas. Bah, si c'est la même hôtesse de caisse que dans Ted, pour ceux qui ont vu le film, moi je suis partant. La clé avant le boss, ah oui, bien sûr, c'est en fait, tu te laisses tomber directement dans le trou, mais je préfère passer par là, en fait, ça me renvoie directement vers la porte. Et voilà. Oui, parce qu'en fait, je parlais à Oniland tout à l'heure quand j'expliquais des trucs. Je l'ai testé, mais ça m'attire pas plus que ça, en fait. Mais je pense que j'aimerais bien le finir un jour, quand même. Salut Amiral Popov. Je sais que ce chapeau est ridicule, mais ce chapeau t'emmerde, mon cher Amiral. Mais il me tarde de te revoir au Stonefest. Ça, c'est cadeau. C'est que pour toi, monsieur Amiral. Je le mettrai pour notre nuit d'amour, si tu veux. Ce sera torride. Qu'Amiral Popov, un ami runner que vous avez pu voir sur No Life, qui a fait Castlevania, le premier du nom. Entre autres, sur la chaîne. Et qui traîne souvent au Cabri Café, pour les Parisiens. Ah, mais oui, mais tu sais, Amiral, il faut savoir se soutenir dans la communauté. Oui, voilà, parce qu'en fait, quand tu pars de gauche pour choper la clé, tu peux avoir un petit boost sur le corner qui fait que tu es renvoyé dans les pics et du coup tu dois remonter pour ressauter sur la clé. Ouais, mais d'ailleurs, je sais pas si AM t'a contacté ou alors il faudrait que tu lui envoies un petit mail parce que c'est lui qui est en train de faire les plannings pour l'activité Super Play Austin. Donc, je sais il a pris contact avec Naxel. Je sais que Banana Master va faire Pop and Twinbee. Mais je pense qu'il va aussi, s'il l'a pas déjà fait, rentrer en contact avec toi pour voir quel run tu veux faire et pour qu'on puisse proposer le planning assez tôt à 3 hits. Je dirai la réponse après. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui posait la question pour les boosts au niveau des échelles. Ouais, effectivement, il y a un petit boost. Si on arrive à sauter juste avant d'arriver à l'extrémité de l'échelle, on peut prendre un petit boost qui fait que. D'ailleurs. Qui fait que on peut atteindre des pièces ou des plateformes qui sont normalement pas accessibles sans ennemis. Donc, c'est utilisé 3 fois dans la run. C'est vachement pratique. Les deux premiers sont pas difficiles. Par contre, le dernier que je vais utiliser plus tard, lui, est vraiment difficile. Il faut réussir ça presque à la frame pour pouvoir avoir
le bonus de vitesse qui soit suffisamment grand pour pouvoir monter très haut. Donc voilà, ça vous le verra après, j'espère. On peut avoir des corner boost avec les pieds, mais aussi avec la tête. On peut aussi, on a un masque de collision au niveau de la tête qui est légèrement arrondi. Et du coup, on peut aussi bénéficier d'un boost par la tête. C'est pour ça que des fois, vous voyez sauter sur des angles de mur, notamment quand je suis dans le niveau où je fais les puzzles, parce que j'essaie de prendre des petits corner boosts. Donc là, j'ai utilisé l'avance rapide parce que j'avais rembobiné. Et à partir du moment où on rembobine, on peut naviguer en avant ou en arrière dans ce qu'on vient de faire. Et c'est le seul endroit du jeu où on l'utilise. Là, par exemple, je sais qu'il existe une route alternative que je vais tenter. Je m'entraînerai tout seul, tranquille. Et je verrai s'il y a un setup qui permet de le réaliser en live, qui est assez intéressant. Et ça, c'est grâce à un des viewers d'hier qui m'a linké les vidéos, bien gentiment. C'est un petit peu le défaut, je pense, qu'on a, c'est que. À partir du moment où on commence le speedrun, on check pas mal les vidéos qui sortent. Et une fois qu'on pense avoir la route optimale, on s'arrête un petit peu de checker ce qui sort. Et on peut passer à côté de nouvelles, surtout sur Break, où il n'y a pas vraiment une communauté Twitch active comme peut l'être Portal ou Portal 2. On arrive à gagner des infos sur Twitch en discutant directement avec les joueurs. Sur Braid, ça se passe surtout sur YouTube. Il n'y a pas vraiment d'interaction entre les joueurs, ou très très peu. Ce qui est dommage, hein, mais c'est comme ça. Je vais faire un puzzle et je viendrai voir un petit peu ce qui a été dit. Alors. Ouais, bah, je pourrais faire pause aussi, mais je préfère quand même faire les niveaux d'un coup pour pas oublier mes timings et faire une pause sur les puzzles. Ciao, Amiral Popov, si tu m'entends encore. Ouais, c'est vrai que le chrono. Je pourrais essayer de faire un truc, tiens. Va essayer de faire ça.
Est-ce que là, vous le voyez mieux? J'espère. Tac. Où est-ce que je vais le mettre? Mettre en dessous de ma gueule. Je peux pas faire beaucoup mieux, hein, les enfants. Donc ça, on va mettre. Ça, hop. Salut, salut aux arrivants. Et oui, c'est vrai que c'est paradoxal en soi parce que bah, le jeu est calme et tout, mais il y a réellement des techniques et des trajets alternatifs pour finir le jeu le plus vite possible. Et là, par exemple, je viens de finir en troisième monde, je suis à 12,55, c'est pas du tout prévu comme ça. Bref, je crois que la première fois, j'ai mis 5-6 heures à le finir, et la difficulté est vraiment présente. Donc voilà. C'est pas un jeu simple déjà, rien que le finir, c'est déjà pas mal. Allez, on va voir si le chrono tourne bien. La partie. Ben ouais, ça a l'air pas mal du tout, même ça. Ça, c'est mon monde préféré avec les ombres. C'est vraiment celui où je m'éclate le plus. Je trouve ça vraiment cool comme mécanique. Donc, à chaque fois que je fais une action et que je rembobine, mon ombre reproduit ce que je viens de faire. Pour ceux qui connaissent pas le jeu. En fait, je me suis rendu compte que souvent on reprenait pas les bases du gameplay d'un jeu quand on expliquait nos runs, et bah, y a des gens qui connaissent pas du tout les jeux quand on stream, et du coup ils comprennent pas du tout ce qui se passe. Ce qui est dommage. Parce qu'on n'a pas expliqué les bases. Et là je vais arriver sur le saut de la mort, qui peut me faire perdre beaucoup de temps, parce qu'il est très très dur. Donc je vais chercher la pièce en haut à droite, sans ennemi. Et c'est pas évident. Oh, nice. C'est passé du premier coup. Qui est plutôt cool.
qui est drôle avec cet ennemi là qui vient de se suicider, c'est que beaucoup de gens, quand ils commencent le jeu, qu'ils arrivent ici, ils sont persuadés qu'il faut le tuer. Et ils y passent, mais 10 minutes quoi. Il y a juste rien à faire. Il suffit de le laisser mourir. C'est assez drôle, je trouve. Parce que tous les gens à qui j'ai fait tester le jeu, bah, ils essayaient. Moi le premier, hein, j'avais essayé de le tuer, hein. Je ne cache pas. Mais c'est drôle, quoi. Drôle de voir des gens qui n'arrivent pas à assimiler le fait qu'un ennemi soit là juste pour mourir. C'est assez troublant. Ok. Voilà, manque de plus. Alors, on va faire le puzzle et puis après on va venir lire un petit peu tout ça. Alors, j'ai acheté un brin hier à cause de vous, je vais me tester ça après le stream. Bah oui, écoute, et puis si tu as des questions, n'hésite pas. Bah ouais, j'espère aussi que la fin va bien se passer. Salut mes taxis. Ah, moi je me foutais, je les connais. Ah toi tu t'en es foutu, c'est rigolo. Peut-être que tu as déjà vu une run, mais je sais pas, c'est marrant. Bah, je t'ai attendu toute la journée, Morwen. Donc si tu te bougeais un petit peu le cul pour la coop. Mais si tu veux, ouais. Grognasse. Elle m'a dit ce matin, ouais cet après-midi on fait la coop. Ok. Après elle m'a dit ouais. Après le stream de Dame Dame, on fait de la coop. Ah, ok. Moi, je dis ouais, ok tout le temps. Hein. Et puis, ben, on n'a toujours pas fait de coop aujourd'hui. Hein. Tout va bien, quoi. Ça, c'est les gonzesses. Hein. J'aurais dû choisir un mec, hein, parce que. Je sens que ça va être dur. Hein. Et ça, c'est le monde que je déteste le plus au monde de toute ma vie, de mon sang, de tout. Oh. Je vais cet univers. J'essaie de manipuler le lapin pour qu'il tue le plus de Goomba possible pour pas en avoir trop en bas quand j'ouvre la porte. Enfin, quand j'ouvre la porte. Ça part bien à qu'un. Il peut y en avoir deux, voire trois. Ouais, je sors direct, parce que je suis plus synchronisé. Et ce niveau, faut vraiment être bien synchronisé, sinon c'est mort. Donc, vaut mieux sortir et rentrer, on perdra moins de temps que d'essayer de reprendre un autre nuage. Parce que de toute façon. Surtout quand on est à côté de la porte, bien sûr. Ça. Il est pas évident celui-ci à chauffer parce qu'on est vraiment serré au niveau timing. Il y a le placement pour pouvoir l'avoir et faire un rebond suffisamment haut et pas grand. Donc il faut pas se louper. Et là en fait le point de repère c'est le moment où le Goomba qui est en haut commence à tomber, il y a un boulet qui sort et il faut mettre l'anneau à ce moment-là. C'est le point de repère en fait pour être sûr de bien
de bien placer l'anneau au bon timing. Donc là, je vais essayer de monter avec un, mais si jamais ça marche pas, voilà, quelqu'un. Merde, merde. Alors là, j'ai fait une grosse connerie. Oh putain, le coup. Bon, tant pis, je vais tenter avec un. J'ai fait une grosse connerie, je me suis embrouillé dans ma manipulation du temps. Et du coup, bah là, je perds beaucoup de temps. Ça, j'ai réussi à le faire avec un. En fait, il faut vraiment relâcher. La touche retour dans le temps, à la bonne frame par rapport à l'ennemi. Bah c'est chaud, franchement. C'est pour ça que j'en laisse toujours passer deux, même si vous voyez que je peux le faire avec un seul. Au moins je sais que d'habitude quand je loupe, comme c'était le cas ici, j'arrive à me rattraper avec le deuxième en faisant un rebond dessus. Putain. Putain. Voilà, je fais un peu de la merde parce que je vous explique, ça fait chier. Au moins c'est une sécurité pour moi pour les lives en fait, pour m'assurer de ne pas perdre du temps comme je l'ai fait ici. Mais en soi, quand on veut vraiment travailler le record du monde, il faut laisser passer qu'un ennemi. Parce que en théorie le deuxième va de toute façon nous faire perdre du temps. Puisque même quand on monte avec le premier ennemi, comme je viens de le faire ici, le deuxième est encore en haut, du coup on doit figer le temps quelques secondes, le temps qu'il nous passe à travers. Parce que quand on est en x0, on est immortel. Donc voilà. Suis pas très bien synchro là, je suis vraiment synchro comme une grosse vache laitière. J'ai perdu du temps là-dessus, ça fait chier, je fais le con. Tant pis. Vraiment perdu le plus de temps possible sur ce passage. Bien joué. Ouais, j'ai quasiment perdu 30 secondes sur un truc comme ça, donc ça défile vite dans Braid. Enfin, dans tous les jeux d'ailleurs, mais c'est vrai que des fois on s'en rend pas trop compte, mais quand on fait le calcul. Et là, ici, il y a une autre méthode que je vais essayer de maîtriser pour passer sans placer l'anneau aussi, comme on a montré hier, qui est très intéressante. Et qui, je pense, elle, par contre, est facilement maîtrisable. Ça s'est bien passé, c'est cool, c'est pas toujours évident. On va arriver sur la dernière salle là. J'ai fait ma petite bite, je la suis en x4. Normalement, il faut rembobiner en x8 ici, mais quand on est en x8, le temps où l'anneau reste visible est très très court, donc il faut avoir de bons réflexes.
Et ce soir, c'est pas la sensation que j'ai. Donc, je préfère assurer. Alors, que dit le chat? Alors, c'est pas en fait, on pourra tester là, si vous voulez de streamer la coop, mais le problème c'est que comme c'est moi qui vais héberger la partie de coop, elle va beaucoup laguer en fait. Et du coup, pour réussir, les tricks, c'est pour elle c'est quasiment impossible. On essaiera si vous voulez, hein, mais. Oh putain, c'est fini. Non, non, World Record de Portal, non, jamais. Je sais que j'ai définitivement pas le niveau du World Record. Si je fais un 19 minutes, déjà, je serais content. Mais ça va être là. Salut Arnaud. Moi j'ai vu ça. Bah, le truc c'est que si toi tu héberges, moi je vais beaucoup laguer, je pense. Toi tu vas plus laguer du coup. On peut essayer, hein, mais je pense que je vais avoir trop de lag aussi. Hein. Pour mon test, on va tester tout simplement. Hein, puis, alors, Onilan, tu m'as dit en vrai il faudrait synchro comment? Donc, je sais pas, du coup, je sais pas de quelle salle tu parles. Donc, si tu veux vraiment expliquer, pas de soucis. Ouais, écoute, tu peux prendre tes affaires et venir, je suis tout seul en plus. Mais 23h11, je pense que t'auras plus beaucoup de train. Et le temps qu'on fasse tous chez moi, il y a pour 1 heure. Donc, ça sera un stream de nuit. Avec l'ascenseur et les canons. Pour le faire sans l'anneau, comme j'ai évoqué. En fait, quand on remonte et qu'on désactive le levier pour aller chercher la pièce en haut à droite, pendant quelques secondes, on a le pouvoir de ne pas revenir dans le temps. Et en fait, il existe une technique qui consiste à revenir dans le temps pendant qu'on avance au-dessus des boulets, pour faire reculer les boulets et pouvoir passer au-dessus d'eux. Mais c'est une petite technique à choper qui est pas évidente. Mais que je testerai parce qu'elle est vraiment sympa elle est vraiment, vraiment sympa cette méthode. Donc voilà. Et t'as dit que t'avais une question, c'est quoi la question? Ah, c'était peut-être ça en fait. Ok. Bon, ben 24-31, c'est pas si dégueu que ça. Ce sera pas un world record, mais ici la salle que je viens de faire, pour ton info,
Il y a un setup pour pouvoir monter sur la tête du Goomba au bon timing, aller directement à la porte. Il suffit juste de faire une mini pause pendant que tu traverses la salle. Et tu fais le saut pour arriver à l'endroit où il apparaît. Et ça te permet d'être quasiment sûr à 100% de pouvoir accéder à la porte directement. Là, il est possible de tout faire avec un seul Goomba, mais j'ai plus le setup, ça me saoule. Bon, la fin. Le moins, c'est le monde 6. Bon, j'ai entrevu la question, mais j'ai pas toute la question entière, mais j'ai entrevu. C'est le monde que je viens de faire avec l'anneau, je le hais profondément. Chaque fois que je dois rentrer dedans, ça me saoule, mais énormément. Mais il faut le faire, hein, on n'a pas le choix, donc je le fais, mais je ne l'aime pas du tout. Celui où je me sens le moins libre, en fait. Même s'il n'y a pas vraiment de liberté dans le bail, mais psychologiquement, voilà. Allez. Enfin, le début m'a vraiment trollé, mais la fin s'est passée à perfection. Comme ça, il continue de me troller. Ah! Putain, relou, quoi. La fin a été parfaite. J'ai eu le méga corner boost sur la fin que j'ai eu une fois sur 100, qui permet d'assurer la prise du Goomba. Et maintenant, il faut espérer que j'ai pas de bug. Et le temps sera pas trop dégueu, je pense. Nice. Non, il n'y a pas eu de bug. Moi, je le sais. En fait, même vous pouvez le voir. Si vous voyez juste avant l'explosion, Tim s'accrocher au grillage, c'est que c'est bon. Si vous ne me voyez pas m'accrocher à ces grillages, c'est que c'est fail. Donc, moi, je le vois. Je pense que vous, si vous y faites attention au prochain run, vous le verrez aussi. Merci, merci, c'est pas fini. Mais le temps sera vraiment pas dégueu, je pense. Au final, vous voyez, enfin, c'est pour ça que toutes nos runs sont quasiment à chaque fois améliorables. C'est parce qu'on fait plein de petites conneries et que, bah, au final, voilà, c'est la différence entre le record et le temps qu'on fait. Je pense que je vais être à 29-20, un truc comme ça. Va être bon, va être très très bon en fait. Nice. 29,08, 33, très 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 bon temps. Ça faisait quasiment un an que j'avais pas fait de temps de ce type. C'est une très bonne soirée, décidément. Une très très bonne soirée. Putain. Là, des runs comme ça, vous n'allez pas en voir souvent, je pense. Donc, ah, j'avoue. Oui, maintenant, mais le record le bat largement, le 29 minutes. Hein, mais,